Les mouvements sont permis grâce à la mise en jeu de muscles squelettiques stimulés par le système nerveux. Le système nerveux génère donc le mouvement, mais ceci n'est qu'un de ses rôles parmi tant d'autres. Il commande les réactions au milieu extérieur de manière appropriée et coordonne les fonctions des organes internes. Pour cela, il possède trois grandes caractéristiques. Il peut réaliser la réception de l'information sensorielle. Il permet de capter et d'acheminer l'information provenant de récepteurs sensoriels vers les centres d'intégration. Les récepteurs sensoriels étant aussi bien des récepteurs permettant la détection d'informations venant de l'environnement externe que des récepteurs sensoriels internes permettant la détection d'informations en provenance des caractéristiques internes du corps. Le système nerveux fait le bilan de toutes les informations qui lui arrivent. Il a un rôle d'intégration. Il interprète toutes les informations venant des récepteurs sensoriels et recherche une réponse adéquate. Puis, il émet des commandes motrices vers les cellules effectrices, c'est-à-dire qu'il envoie des ordres vers des cellules qui réagissent. Ces cellules peuvent être par exemple des cellules musculaires, squelettiques, c'est-à-dire les cellules musculaires associées aux os qui permettent le mouvement, mais il existe bien d'autres cellules effectrices, telles que les cellules contractiles du cœur, les cellules contractiles du tube digestif, mais il n'y a pas que des cellules musculaires comme cellules effectrices. Ces dernières peuvent être aussi des cellules sécrétrices, etc. Le système nerveux peut être divisé, si on prend en compte le critère géographique, en système nerveux central et en système nerveux périphérique. Que ce soit au niveau du système nerveux central ou du système nerveux périphérique, les acteurs cellulaires sont les mêmes, ce sont les cellules du système nerveux. Que sont d'une part les neurones et d'autre part les cellules gliales. Nous allons présenter dans cette vidéo ces cellules. Voyons tout d'abord les neurones. Le neurone est la cellule nerveuse, encore appelée fibre nerveuse. Le neurone est la cellule fonctionnelle du système nerveux à laquelle on pense en premier. C'est une cellule spécialisée dans la genèse ou la transmission du message nerveux, message électrique, entre différentes régions du corps. Plusieurs classifications du neurone peuvent être faites. On peut prendre en compte la nature, la composition du neurone avec la présence ou l'absence de myéline. On peut prendre en compte la forme du neurone ou encore sa fonction. Voyons tout d'abord le critère de nature du neurone. On distingue les neurones non myélinisés, encore appelés neurones amyélinisés, avec le A privatif. Ces neurones n'ont pas de gaine de myéline, alors que les neurones myélinisés ont une gaine de myéline. Les neurones non myélinisés sont associés à différentes cellules gliales ou cellules de soutien. Dans le système nerveux périphérique, les neurones amyéliniques sont associés à une cellule gliale de type cellule de Schwann. Voyons cela en image. Dans le système nerveux périphérique, les neurones amyélinisés sont réunis en un groupe de neurones entourés par une seule et même cellule gliale de type cellule de Schwann. La cellule de Schwann forme différentes encoches, différentes invaginations de sa membrane plasmique où sont placés différents axones de neurones non myélinisés.
Sur cette électronographie prise au microscope électronique à transmission, on peut repérer à gauche et à droite de telles organisations, avec, sous forme plus ou moins ovale, des sections transversales d'axones non myélinisés, et autour, le cytoplasme d'une cellule de Schwann. Ici, le plan de coupe ne passe pas par le noyau de cette cellule de Schwann. Dans le système nerveux central, les neurones non myélinisés ou les parties non myélinisées de neurones sont en contact avec des cellules gliales de type astrocyte. Les astrocytes doivent leur nom à leur forme en étoile. Voyons maintenant l'organisation des neurones myélinisés. Nous avons ici un schéma simplifié d'un exemple de neurones myélinisés. Le noyau est représenté à gauche, entouré de cytoplasme. Cette partie est appelée corps cellulaire ou péricarien. Dans cet exemple de neurones, de nombreux prolongements cytoplasmiques arrivent sur ce corps cellulaire. Ces prolongements sont des dendrites, de dendros qui veut dire arbre. La ramification de ces prolongements peut en effet faire penser à l'organisation d'un arbre avec ses différentes branches. On parle d'arbre somatodendritique, soma étant le corps, ici le corps cellulaire. L'ensemble de ce corps cellulaire et des dendrites correspond à la zone de réception des informations nerveuses. On verra effectivement sur un autre schéma que de nombreuses synapses arrivent sur ces membranes plasmiques. L'ensemble des informations afférentes converge vers le corps cellulaire où la membrane plasmique effectue le bilan de toutes les données. Le corps cellulaire a donc un rôle d'intégration cellulaire avec à l'extrémité de celui-ci le cône d'implantation de l'axone qui élabore un nouveau message électrique sous forme d'un train de potentiel d'action, PA. Ce train de potentiel d'action transite le long d'un nouveau prolongement cytoplasmique appelé axone. Cette information est véhiculée vers une cellule effectrice, non représentée ici, mais qui s'y trouverait à droite, cellule effectrice qui peut être un autre neurone ou une cellule type musculaire ou cellule glandulaire, etc. Le message est transmis vers ces cellules effectrices via une arborisation terminale qui, grâce à de nombreuses expansion appelée bouton synaptique, libère un neurotransmetteur. On a donc ici une communication qui s'effectue entre le neurone et la cellule suivante. Dans cet exemple, nous avons choisi un neurone de type multipolaire. Il est qualifié ainsi du fait de la présence de nombreux prolongements cytoplasmiques, les dendrites, mais aussi l'axone. Nous verrons plus tard les autres types de formes possibles. Ici, le neurone est qualifié de myélinisé. Nous avons choisi un neurone myélinisé du système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, la myéline est fabriquée par des cellules gliales de type cellules de Schwann. On voit effectivement ici un grand nombre de gaines de myéline qui se succèdent le long de l'axone. Ces gaines de myéline, ces anneaux, sont formés chacun par
une cellule de Schwann. Plusieurs cellules de Schwann se succèdent le long de l'axone. On en a représenté une complètement ici en coupe. Les autres, on n'en a mis que leur contour. Chaque cellule de Schwann présente sa membrane plasmique enroulée un grand nombre de fois autour de l'axone. La succession de ces couches de membrane plasmique forme la gaine de myéline. Ce schéma vous permettra de comprendre l'organisation. La membrane plasmique de la cellule de Schwann est particulière, avec des lipides qui lui sont spécifiques, constituant ainsi un isolant électrique et permettant d'accélérer l'influx nerveux. On peut vous donner des électronographies de neurones myélinisés à décrire, donc sur la partie centrale de cette photo. On a une coupe transversale qui passe par un neurone partie axonique avec son axone qui est myélinisé. On peut reconnaître un axone ici avec des coupes transversales d'un grand nombre d'éléments du cytosquelette. On voit ici sous forme de pointillés, sous forme de granules, différents diamètres qui correspondent soit à des coupes transversales de microtubules, de filaments intermédiaires ou d'actines que nous détaillerons plus tard. On peut repérer ici une mitochondrie et on a une forme relativement ronde, donc on a une coupe transversale ici d'axone. On peut le qualifier de myélinisé parce qu'il présente autour cet élément assez épais qui ici est complètement sombre, mais pour lequel sur le haut on arrive à voir des décollements de structures lamellaires qui correspondent en fait à la même membrane plasmique de la cellule de Schwann qui est enroulée un grand nombre de fois. Donc tout cet ensemble constitue la gaine de myéline. Et on trouve autour le reste de la cellule de Schwann avec d'une part son hyaloplase dans lequel on peut retrouver un grand nombre d'organites, peut-être ici une mitochondrie, des structures vésiculaires ou saculaires. Donc il y aura du Golgi, du Reg. Dans cette photo, le plan de coupe est passé par le noyau de la cellule de Schwann. On peut effectivement repérer ici un contour bien délimité avec les deux membranes. Donc on a ici l'enveloppe nucléaire et à l'intérieur des éléments un peu hétérogènes avec des parties denses aux électrons qui correspondent à de l'hétérochromatine et des parties plus claires, donc moins denses aux électrons, qui correspondent à la chromatine diffuse ou e-chromatine. Mais vous pouvez bien sûr avoir des plans de coupe qui ne passent pas par le noyau de cette cellule. Les espaces entre les différentes gaines de myéline sont les nœuds de Ranvier. Dans le système nerveux central, la gaine de myéline est fabriquée par d'autres types de cellules gliales que sont les oligodendrocytes. Zoomons maintenant sur le corps cellulaire pour analyser son ultrastructure. Dans le corps cellulaire est présent le noyau qui permet la transcription, donc il aura notamment beaucoup de chromatine diffuse et le ou les nucléoles bien visibles. Autour du Reg abondant permettant la traduction de protéines de type protéines exocytées, accompagnées de réticulum endoplasmique lisse et de Golgi qui permet de fabriquer des vésicules, notamment les vésicules contenant des neurotransmetteurs. Ici, on a mis le début de l'axone qui contient de nombreux éléments du cytosquelette avec tous les types de filaments présents, les filaments de gros diamètre que sont les microtubules, appelés dans les neurones neurotubules, les filaments intermédiaires,
appelés ici neurofilaments, et enfin les microfilaments d'actine. Ces différents filaments vont servir notamment à la migration de vésicules de neurotransmetteurs vers l'arborisation terminale et les synapses. L'ensemble de ces processus nécessite de l'énergie, d'où l'abondance également de mitochondries dans le cytoplasme. Ici, le corps cellulaire est celui d'un neurone multipolaire, par exemple celui d'un motoneurone, et le corps cellulaire est présent dans le système nerveux central. Il est entouré par des cellules gliales de type astrocyte, dont on n'a pas représenté ici spécialement la forme étoilée. Sur les dendrites et le corps cellulaire arrivent de très nombreux boutons synaptiques d'autres neurones formant un certain nombre de synapses. Il faut avoir bien compris l'organisation cellulaire de ce neurone pour éventuellement légender des électronographies. Nous avons donc terminé la classification des neurones par rapport à la présence ou l'absence de myéline. Voyons maintenant la classification selon la forme. Commençons par le neurone multipolaire qui peut correspondre par exemple à un motoneurone que nous avons évoqué précédemment. Ici, de nombreux dendrites arrivent sur le corps cellulaire qui débouche sur un axone et à la fin, présence de boutons synaptiques. Ici, on n'en a représenté qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Dans le cas du neurone bipolaire, il y a présence de dendrites avec un corps cellulaire qui se trouve dans le prolongement de ces dendrites et après un axone, donc on a une forme relativement linéaire aboutissant à un ou plusieurs boutons synaptiques. Dans le neurone pseudo-unipolaire, encore appelé neurone en T, que l'on trouvera par exemple dans le ganglion rachidien de la moelle épinière, il y a présence ici de dendrites, de corps cellulaires, d'axones et de boutons synaptiques. Le corps cellulaire ici est excentré par rapport à l'alignement dendrite-axone, donc ça peut faire penser à une forme en T. Donc voilà. Dernier exemple, le neurone unipolaire où il n'y a qu'un type de prolongement cytoplasmique, il n'y a pas de dendrite, mais seulement un corps cellulaire avec un axone et la partie bouton synaptique. Dernier type de classification des neurones, celle qui prend en compte leur fonction. On distinguera ici les neurones de type sensitif, encore appelés récepteurs sensoriels, qui capteront les informations venant de l'extérieur ou de l'intérieur de l'organisme, les neurones moteurs, encore appelés motoneurones, qui envoient une information vers une cellule effectrice, et enfin les interneurones, avec inter qui veut dire entre deux, qui correspondent à des neurones présents entre deux autres neurones. Nous avons donc abordé le premier type de cellules du système nerveux, les neurones. Faisons le bilan maintenant des cellules de type glial. Cellules gliales, encore appelées cellules de soutien ou cellules de la névroglie. Ces cellules sont très abondantes puisqu'elles sont 10 à 50 fois plus nombreuses que les neurones. On les trouve aussi bien dans le système nerveux central que dans le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, je vous demande de retenir les deux types principaux que sont les astrocytes. Les astrocytes ont une forme étoilée. Ce sont des cellules qui entourent notamment les capillaires et les neurones dans le système nerveux central. Elles servent à ancrer et nourrir ces neurones et forment une barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elles vont constituer une barrière, elles vont limiter l'entrée de nombreuses substances dans les neurones. Deuxième type, les oligodendrocytes.
Ce sont elles des cellules gliales qui entourent les neurones du système nerveux central et qui forment la gaine de myéline dans la partie système nerveux central. De façon plus anecdotique par rapport à votre programme, on remarquera qu'il existe d'autres types de cellules gliales que sont les cellules de la microglie, qui jouent notamment un rôle au cours du développement embryonnaire, et les cellules ependymères, qui sont les cellules tapissant les parois des ventricules et le canal de l'épendyme, c'est-à-dire le canal central de la moelle épinière. Ces cellules servent de barrière et permettent le mouvement du liquide céphalo-rachidien. Dans le système nerveux périphérique, les cellules gliales sont appelées cellules de Schwann.